purchase your tracks today. Kati Kapesa TV, Kati Kapesa service traiteur, chef Kati Kapesa en États-Unis. Yes, I. Kati Kapesa TV, ayo. Kati Kapesa TV, ayo. Kati Kapesa TV, ayo. Kati Kapesa TV, ayo. Abonnez-vous pour ma cause à l'actualité. Théâtre, colorate, musique, n'en parlons pas. Oyo Kinzala, Kobanga Bangate, Netazini Mobimba, et si va valida. Oyo Kinzala, Kobanga Bangate, Netazini Mobimba, et si va valida. Pour un mariage naïo, Neko Kobanga Bangate, oh. Service traiteur, Katika Pesa, et qu'on fait ça ma solo. Mouta malé au sommet, pas Pesa, eh. Ah, un solo la gabie. Sans beaucoup d'anina, eh. Qu'on s'arra décidé. Katika Pesa, eh. N'a Pesa, yo, nini, eh. Katika Pesa. Encore une phrase de plus, très chers internautes, bienvenue dans votre émission. Agriculture sur votre chaîne préférée Kati Kapesa TV dans votre émission Agriculture. Ça a toujours été un grand plaisir pour moi de savoir que vous êtes très nombreux branchés sur vos écrans à suivre cette émission. C'est pourquoi je ne cesse toujours de vous dire de suivre nos émissions, de liker, de partager, de vous abonner ainsi que d'activer la cloche de notification pour ne rien rater au prochain numéro. Comme d'habitude, c'est bel et bien moi, Christelle Agnota, à l'animation de cette émission. Je vous dis bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Alors, aujourd'hui, dans ces nouveaux numéros de votre émission Agriculture, nous allons nous pencher du côté de, l'art. Nous allons nous pencher du côté de l'art pour essayer de voir les artistes qui égorgent notre pays, la République démocratique du Congo. Sur ce, je ne suis pas seule sur ces plateaux. Je suis avec Madame Judith, à qui je m'en vais dire bonjour. Bonjour Madame Judith. Oui, merci à vous. Oui, ça va, je fais grâce. Alors, Madame Judith va nous dire qui elle est, elle va se présenter, elle va nous dire qui elle est. Comme nous parlons de l'art, on suppose qu'elle est artiste. Elle va nous dire dans quel domaine elle évolue plus précisément. Moi, je suis Madame Judith Calouache, je suis artiste peintre et bédéiste. Merci Madame Judith, nous sommes très heureuses de vous recevoir sur ces plateaux de Agriculture. Les plaisirs sont partagés, j'ai reçu aussi. Merci. Alors Madame Judith, nous allons directement entrer dans le vif du sujet. Vous avez dit que vous êtes artiste peintre, BD quoi? Et BDiste. BDiste, donc vous faites de la BD, la bande dessinée. Exactement. Alors, aujourd'hui, j'aimerais est-ce que nous puissions nous pencher un peu du côté de la BD, d'accord, de la bande dessinée. Vous pouvez nous parler de votre parcours artistique? Voilà, au départ, je fais des latins philo parce que je voulais devenir journaliste. Mais en grandissant, j'ai découvert que j'avais un talent précieux, des dessins. J'aimais beaucoup dessiner. Et quand j'ai fini mes études en latin philo, j'ai pris la décision d'aller à l'Académie des Beaux-Arts. Voilà, je viens de du latin en art. Ça n'a pas été facile à jeu 1. Du coup, tu as là les gens qui savent super bien dessiner, les gens qui ont fait les humanités artistiques. Mais moi, j'avais déjà les talents. Ce qui m'a aidé, j'avais les talents, j'avais la détermination et l'amour de ce travail. Voilà la raison pour laquelle j'ai résisté jusqu'à la fin. Parce que beaucoup de gens ont pu arrêter en route. Et en G2, on m'a parlé d'une association bande dessinée Kinabel, parce que j'aimais beaucoup la bande dessinée, même en étant en peinture, parce qu'à l'Académie des Beaux-Arts, j'étais dans les départements de peinture, mais j'aimais beaucoup la bande dessinée. Donc, comme j'ai grandi un peu trop à la maison, je n'arrêtais pas à raconter des histoires par
parle de dessin, mais sans normes, je ne connaissais pas les normes sur la bande dessinée. Mais comme j'ai déjà lu beaucoup de bandes dessinées, je sais qu'il faut faire des carreaux, il faut faire ceci, je dessinais. Et voilà, un grand frère qui faisait déjà partie de Kinabel m'a invité et j'ai intégré l'association. Et voilà, quand je suis entrée, on m'a appris quelques techniques de bande dessinée, comment ça se passe. On a publié notre premier numéro. Et nous avions participé à un festival international de bande dessinée d'Alger. On a remporté un prix. C'était magnifique, surtout pour moi qui venais d'entrer dans, de faire mes entrées pardon, dans le monde de la bande dessinée. Et en 2013, est sorti le deuxième numéro. Je participais à beaucoup de projets sur la bande dessinée. En 2015-16, et là j'ai pris la décision de dévoiler un peu seul, c'est-à-dire faire mes propres productions. Voilà, jusqu'à aujourd'hui, j'ai de petites bandes dessinées que j'ai déjà éditées seule. Et là, je suis sur un très grand projet, mon projet de rêve en fait, qui pourra sortir avant octobre si Dieu nous fait grâce. Voilà, en quelques mots, mon parcours artistique. Merci beaucoup, Madame Judith, de nous avoir retracé votre parcours artistique. Donc, nous avons compris comment vous avez atterri dans la bande dessinée. Alors, dites-nous, surtout moi personnellement et les internautes qui nous suivent, dites-nous, c'est quoi la bande dessinée? Qu'est-ce que c'est? Ce sont juste de calligraphie qu'on voit là, de dessin qu'on voit là. Essayez un peu de me l'expliquer. La bande dessinée, moi j'ai une définition très simple que j'aime dire aux gens, même quand j'anime des ateliers avec les enfants. Je dis souvent, la bande dessinée, c'est une série dessinée. Donc c'est une histoire qu'on dessine. Bien sûr, il y a des normes à suivre. Il faudrait que tu aies tes papiers, tes planches. Donc, une planche en bande dessinée, c'est la page. Par exemple, ces papiers-là, chez nous, dans la bande dessinée, nous disons planche. Donc, quand j'ai ma planche, je dois tracer, c'est-à-dire je dois avoir des vignettes qui séparent mon histoire et je dessine. Et en bande dessinée aussi, donc, nous lisons de gauche à droite. Donc, je vais vous envoyer de planches, les internautes vont comprendre. Voilà, tu as des vignettes qu'on appelle autrement des cases et tu as des bulles. Les bulles, ce sont des dialogues des personnages en fait. Comme ce sont des dessins, ils ne peuvent pas parler. Leur dialogue est en bulle. Donc, tu vois, il y a des bulles toujours dans les cases. C'est ce qu'on appelle des bulles, donc des dialogues pour nos dessins. En fait, une fois, j'étais en train de suivre un documentaire et là, j'avais remarqué que chaque BDiste a son thème. Et vous, quel est le thème que vous suivez dans vos bandes dessinées? Quel est le thème que vous exploitez? Ok, une très bonne question. C'est vrai, chaque artiste a ses thèmes, a son combat. Moi, très souvent, je parle de la femme. Donc, je parle d'une femme indépendante, une femme qui s'aime, une femme qui n'a pas de complexe, une femme qui a conscience de ce qu'elle peut apporter dans la société, surtout la nôtre. Donc moi, vraiment, je motive la femme à se prendre en charge. Et j'ai vraiment beaucoup de combats. Il y a aussi une bande dessinée que je fais qui parle de violence conjugale, vraiment. J'ai été touchée, choquée. Un jour, je participais aux obsèques d'une grande sœur qui s'appelait aussi Judith, qui est morte suite aux coups et blessures dans son foyer. Et je me suis dit, franchement, il y a des femmes qui souffrent. Et comme artiste, je peux porter ma voix à toutes les femmes-là qui ne savent pas dénoncer. Et je fais toute une bande dessinée qui sera produite par la maison où nous sommes, qui parle, donc qui dénonce ces pratiques-là. Et à part ça, en fait, ça dépend aussi de chaque bande dessinée. Chaque bande dessinée que je fais a son thème. Donc, par exemple, dans Vrai ou Faux, c'est une observation que je fais dans notre ville. Tu le sais aussi, Christelle. Depuis, je crois, 2020, toutes les filles veulent avoir des formes. Je ne sais pas où nous allons à tout prix. Et avec toutes les conséquences qui s'en suivent, c'est vrai aujourd'hui, on a tous envie de grossir ou d'avoir de belles formes, c'est bien, chacun est libre. Mais à quel prix? Il y a beaucoup de conséquences qui s'en suivent et je voulais un peu parler de ça.
Donc, pousser la fille ou la femme à s'accepter telle qu'elle est. Tu sais, nous, on est chrétiens. Dieu, tout ce qu'il a créé, là, c'est bon, c'est joli. Donc, quand on est mince, on est joli comme ça. Quand on a mon teint, on est joli comme ça. Quand on a ton teint à toi, on est joli comme ça. Donc, moi, je n'ai pas à t'envier ou à détruire ma peau pour te ressembler. Donc, je parlais de ces sujets-là dans ma bande dessinée qui a été très bien acceptée parce qu'il a été édité en 2019. Donc, mes retours ont été positifs. Ok, nous l'avons très bien compris. Madame Judith, dans ses bandes dessinées, je pourrais dire que vous êtes comme la voix de ces femmes qui ne peuvent pas parler malgré les humiliations qu'elles sont en train de subir, malgré de coups et blessures qu'elles sont en train de subir. Vous avez même dit que vous avez connu une grande sœur qui a perdu sa vie parce qu'elle a été sauvagement battue par son mari. Et aussi, dans ses bandes dessinées, elle conscientise ces jeunes filles qui veulent avoir de... Non, ces jeunes filles qui veulent devenir ce qu'elles ne sont pas. Dieu t'a créé comme tu es, donc aime-toi comme tu es. Dieu sait le pourquoi il t'a créé comme ça. Alors, Madame Judith, je sais que... Je sais pas trop. Je sais qu'il y a des trucs qui essayent de constituer une bande dessinée. Donc, vous pouvez nous dire qu'est-ce qui constitue une bande dessinée pour voir que oui, c'est une bande dessinée. On a besoin de quoi? Donc, tout ça en fait. Ok. Là, je vais essayer un peu d'expliquer pour arriver à la bande dessinée. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on doit avoir? Ça pourra peut-être aider quelqu'un dans ces domaines-là. Voilà. Avant de faire la bande dessinée, premièrement, on doit voir l'histoire, c'est-à-dire le scénario, bien écrit, bien détaillé, et vous faites votre storyboard. Storyboard, c'est... Bon, moi, je ne le fais pas, mais c'est une façon avant bande dessinée, c'est-à-dire, ça donne l'idée générale de ce que sera le travail fini. Et après ça, vous entamez votre bande dessinée. Donc, vous avez besoin de planches. Une planche, autrement dit, la page. Donc, quand vous voyez la bande dessinée, c'est qu'on tourne à la page, mais nous appelons ça planche de bande dessinée. Quand j'ai ma planche, je dois avoir des vignettes dans la planche. Donc, le petit carreau là que vous voyez, des cases, c'est ce qu'on appelle. Voilà, d'ailleurs, je peux vous montrer. Donc, ça c'est vignette ou case. Voilà, nous avons des personnages qui racontent l'histoire, nous avons un début. C'est-à-dire les dialogues de personnages. Nous avons des narrations explicatives. Donc, s'il y a une explication à donner, nous le faisons en forme de narration. Et puis, quand vous dessinez, vous ancrez, vous gommez votre planche, vous passez au scannage. Pour nous qui travaillons papier, scannage. Et puis là, vous allez faire votre montage ou colorier si vous voulez. Vous pouvez colorier même à la main avec de la gouache ou aquarelle et colline, ou vous coloriez à l'aide de Photoshop. Et quand vous finissez, il y a aussi un travail de design qui intervient. Vous classez vos bandes dessinées, vous avez votre maquette et là vous passez à l'imprimerie. L'imprimerie fait le dernier travail, on imprime la bande dessinée et puis voilà, c'est fini. Nous avons vu les étapes pour constituer une bande dessinée. Donc, le produit fini qu'on appelle bande dessinée a bel et bien un commencement. On a vu comment ça commence et tout. Mais Madame Judith, l'autre fois, toujours en suivant un documentaire, j'avais vu dans la bande dessinée, on n'utilise pas tout le terme. Donc, quels sont les termes appropriés pour une bande dessinée? Quels sont les termes qu'on utilise dans de bandes dessinées? Et surtout, principalement vous, quels sont les termes que vous aimez bien utiliser dans vos bandes dessinées? Alors, Madame Judith, j'avais lu quelque part que le BD font 48 pages. Est-ce que... Donc c'est strictement dit que le BD doit avoir 48 pages ou ça peut se négocier, ça peut être en bas de 48, au-delà de 48. Il y a le nombre de pages standard des albums parce que dans la bande dessinée, nous avons des albums, nous avons des magazines, nous avons des fanzines. Donc
Une fanzine peut aller à 12 pages, 24 pages, mais pour les albums cartonnés, le nombre de pages standard varie entre 44 et 48 pages. Donc là, ça dépend vraiment de l'éditeur de la maison qui va éditer la bande dessinée. C'est une discussion qui se passe entre l'artiste, l'auteur et sa maison d'édition. Mais ce n'est pas dit seulement, ce n'est pas une obligation stricte, non. Ça varie vraiment, ça dépend de maison d'édition. Ben, il y a de ces maisons-là qui sont vraiment strictes, donc pour eux, c'est 48 pages. Mais d'autres, 44, 46. Il y a même qui vont au-delà, c'est-à-dire, il y a même des bandes dessinées cartonnées qui font 120 pages. Il y a un Congolais qui a fait sa bande dessinée de 120 pages, je crois. Donc, ça dépend. Et vous, vous avez l'habitude d'en faire combien? Vous en faites combien de pages? Okay. Pour du magazine, je fais 30 pages pour du magazine. Pour mon album que je suis en train de préparer, c'est 44 pages. C'est déjà fini, c'est à l'étape de la couleur, et puis réunir les moyens, passer à l'imprimer. Ok, ok madame Judith. Et dites-moi, est-ce qu'il y a une hauteur bien déterminée pour une bande dessinée? Donc, quelle est la hauteur d'une BD? Ok, la hauteur, si je comprends bien, c'est la dimension. Oui, la ça dimension. Aussi, ça dépend de maison d'édition, parce que nous avons de BD A5, donc la moitié de A4. Il y a même un auteur ivoirien qui m'a fait un cadeau de sa BD qui faisait la moitié de A5. Donc ça dépend, ça dépend. Il y a des séries qui vont A4 ou plus. Les Américains, ils font plus que A4. Et il y a d'autres qui font moins que A5. A4, pardon, donc il est au milieu entre A5 et A4, vraiment ça dépend. Ça dépend de la maison d'édition, ça dépend. Maintenant, selon vous, ouais. Quelle est la dimension qui est préférable? Quelle est la dimension qui est abordable pour tous? Ok, moi personnellement, je préfère le A4. Pour le magazine franzine de moins de pages, ben, je suis partante sur pour le A5 par rapport au coût de l'imprimerie aussi, surtout que j'ai m'auto-édite. Voilà, les coûts est très réduit quand je fais du A5, ça me permet de vendre à un prix aussi très très bas et gagner aussi quelque chose. Mais pour un album, moi je préfère les A4. Je trouve très intéressant quand j'ai une bande dessinée vraiment imposante. Moi ça me plaît, donc ma bande dessinée, mon album sera du A4, sera imprimé sur du A4. Là c'est long en tout cas. Cette question, donc, ça devait venir la question. Okay. D'où trouvez-vous l'inspiration? C'est quoi votre source d'inspiration? Waouh! C'est une très bonne question. Moi, je m'inspire de l'homme, donc de l'être humain. Je m'inspire de la nature. Tout ce qui m'entoure m'inspire. Toi-même, tu peux m'inspirer une bande dessinée. Parce que dans Malou Delix, ma source d'inspiration, c'était une photo que j'ai prise par hasard. Donc, j'ai pris une photo par hasard d'une fille qui partait à l'école que je ne connaissais pas. Et en regardant seulement la photo concentrée, j'ai décrit la fille, j'ai écrit les scénarios. Et quand tu verras la bande dessinée, je t'ai dit, c'est super. Moi-même, j'adore l'histoire. Oui, je m'inspire de tout ce que je vois. Je suis quelqu'un qui observe beaucoup. Je parle peu, je regarde beaucoup. Et quand je regarde, j'ai des idées. Tout ce que je vois m'inspire. Nos quotidiens qui noient, surtout ça, c'est vraiment ma source d'inspiration. Donc, à Kinshasa, je ne peux pas sortir et revenir sans avoir une idée en tête. Donc, quand je sors en rentrant, il y a une idée. À un moment, je me dis, maintenant, Kangamoko, je fais comment avec ta idée déjà en dépôt? La vie stocké dans le Rwanda, où elle vous est ici là. Donc, c'est un peu ça, l'être humain et la nature. Donc, dans notre société, la société congolaise, c'est un peu difficile pour une femme de s'imposer, quel que soit ce que vous faites, quelle que soit la dimension de ce que vous faites, même si ce que vous faites est extraordinaire, c'est toujours un peu compliqué pour nous, les femmes, de s'imposer là où il y a les hommes. Alors, dites-moi. Dites-nous, quelles sont les difficultés que vous rencontrez en tant que femme? Ok, dans mes débuts artistiques, je me rappelle bien quand je partais à l'académie,
Il m'arrivait des deux réchauffards que je descends à l'académie et énervé. Ah, il y a aussi mon bimbac à l'académie, ok, pour ça, avec Eko. Tu vois, déjà, quand j'ai dit aussi à une personne que je fais de l'art, je sais dessiner, souvent, à l'époque, maintenant, c'est un peu changé. On ne te croit pas. On ne te croit pas. Je me rappelle, j'ai reçu un client à la maison. On lui dit, non, je sais faire des portraits. Il a douté. Est-ce qu'on peut voir? Je lui dis, carrément, tu doutes parce que je suis une femme. Si j'étais un homme, je t'ai dit que je fais des portraits, tu allais croire. Donc, il y avait ces doutes-là. Donc, de quoi, moi, si tu ne sauras pas faire, est-ce qu'il faut qu'on voie d'abord, qu'on vérifie? Ça, moi, ça me blessait. Je me suis battue vraiment pour me faire une place parmi les hommes. Et ça, c'était ma plus grande difficulté. Et puis, une autre, voilà, en tant que femme, parfois, c'est pas très facile aussi d'avoir d'autres opportunités. Mais ailleurs aussi, on a aussi la grâce d'avoir des opportunités. C'est vraiment partagé. Quand vous tombez sur des bonnes personnes qui restent professionnelles, voilà, qui croient en ce que vous faites, donc ils regardent que ce que vous faites là, là, vraiment, les portes sont ouvertes, ça va. Mais quand on regarde les teintes noires, là, ça devient compliqué. Ce sont quelques difficultés qu'on a. Oui, c'est ça. Donc, étant que femme, nous devons faire l'effort de nous imposer, en fait, exactement, au milieu des hommes. Oui. Parce qu'il arrive que vous êtes une femme, vous avez besoin d'une maison pour vous produire et vous emmenez votre œuvre et puis le directeur, le patron de cette maison vous donne des conditions avant que je produise votre œuvre. Vous devez faire ceci, vous devez faire cela. Tout ça parce que nous sommes de femmes. Donc c'est un peu compliqué pour nous. Ça arrive à beaucoup de personnes, hein. Ça arrive à beaucoup de gens. Mais moi, je suis. Les gens qui me connaissent, j'aime beaucoup travailler. Vraiment, j'ai fait beaucoup d'efforts pour me créer une petite place parmi les hommes. Donc quand vous voyez mes dessins, il y a d'autres personnes qui ne croient pas que c'est une femme qui a fait ça. Donc déjà, je signe Kalouage. Donc pour ne pas dire, je dis ton c'est, ben, c'est une femme. Donc, je signe vraiment par mon nom qui est Confusion. Il faut vraiment travailler. Il y a aussi un ami qui allait me brancher dans un projet. Je lui ai dit, prends-moi parce que je mérite. Donc si tu vois que mon travail dans la commune à niveau, prends-moi. Mais ne me prends pas parce que je suis femme, parce que tu m'apprécies bien. Non, non, non. Prends-moi parce que je mérite. Je travaillais dur pour arriver là, alors ça fait un grand plaisir de mériter quelque chose. Donc vous ne passez pas à gauche, à droite. Ça aussi, c'est un conseil que je donne souvent aux femmes. Vraiment, il faut travailler, être patiente aussi. Ce n'est pas dire que si une opportunité vient, on vous impose des conditions. Ben, franchement, refusez, croyez en votre talent, en votre savoir-faire. Un jour, votre talent parlera. Un jour, il y aura des portes honnêtes qui servent. Madame Judith, nous remarquons aussi qu'il y a beaucoup de parents qui n'aiment pas que leurs enfants puissent fréquenter l'Académie de Beaux-Arts, étant donné que c'est un milieu estudiantin où il y a plusieurs garçons, donc la majorité est dominée par le garçon. Le parent n'apprécie pas trop vraiment le choix de leur fille d'aller à l'Académie de Beaux-Arts. Alors dites-nous, pour vous, ça a été facile, compliqué ou très difficile pour vous d'aller à l'Académie de Beaux-Arts? Ok, je me rappelle encore de ces jours. Oui, beaucoup de parents n'aiment pas que leurs enfants fréquentent l'Académie des Beaux-Arts, surtout les femmes. Ils disent que c'est un métier d'homme, c'est un métier qui ne paye pas assez. Beaucoup de choses, ils n'ont pas vraiment la bonne information. Pour moi, j'ai eu vraiment beaucoup de chance d'avoir mes parents. Donc, mon papa, c'est un père, il est vraiment très libéral, il écoute. Quand je lui ai dit, papa, je vais faire l'Académie des Beaux-Arts, c'est vrai, c'était une surprise parce qu'on est très proche avec papa. Moi, je voulais devenir journaliste, et c'est ce qu'il savait. Mais en finissant, je lui ai dit, je pars à l'Académie. Il m'a dit, ben, pas de problème, si c'est ton choix, vas-y. Pour moi, ça a été facile, mais j'ai grandi aussi avec des filles qui étaient très talentueuses, qui dessinaient très bien à l'époque, mais leurs parents ont refusé qu'elles fassent des études à l'Académie des Beaux-Arts. Mais c'est quelque chose que je déconseille beaucoup. Il y a certains parents qui me voient, qui demandent des conseils pour leurs filles.
Moi, vraiment, je les encourage. Il faut laisser les enfants faire leur choix. C'est très important. Parce qu'une personne comme moi, si vous m'envoyez en médecine, je vais commencer à dessiner à tout moment. Donc, je me sens à l'aise quand je dessine. C'est mon truc, le dessin. Donc, il faudrait vraiment laisser chaque enfant faire ses choix. Par le dessin, j'ai rencontré beaucoup de personnes, j'ai fait des voyages, et donc je sais pas, dans un monde merveilleux, j'ai rencontré des personnes merveilleuses, des personnes extraordinaires. Donc surtout, ça me rend heureuse. Donc le plus important, ça me rend heureuse, j'aime ce travail. Quand je dessine, vraiment, je ne sais pas, c'est les moments les plus fantastiques que je passe dans ma vie quand j'ai les crayons et les papiers. Merci. Alors, en tout cas, chers parents, il faut laisser vos enfants de faire leur choix. Laissez vos enfants de faire ce qu'ils désirent, même si ce sont de filles, même si tu as ta fille qui veut faire l'Académie de Beaux-Arts, chers parents, en tout cas, laissez vos filles, hein, laissez vos filles s'exprimer. Comme Madame Judith venait de le dire, si elle, on l'envoie en médecine, elle ne va rien faire que dessiner. Laissez vos enfants faire leur choix. C'est leur choix qui le rendront heureux. Il y a certains enfants qui feront le choix de leurs parents juste pour plaire aux parents, mais elle-même n'est pas heureuse dans ce qu'elle fait. Alors, Madame Judith, quel conseil donneriez-vous aux femmes qui souhaiteraient un jour embrasser le domaine artistique? Ok, je ne peux que les encourager, surtout on est vraiment très peu, il y a peu de femmes. Les problèmes aussi que je voulais en parler ici, il y a beaucoup de femmes aussi qui passent à l'Académie des Beaux-Arts, mais une fois mariées, ça devient compliqué. Pour moi, ce sont des choses que j'aimerais que nous-mêmes femmes qu'on sache ce qu'on veut et où on va. Donc si vous voulez votre carrière, si vous voulez évoluer dans ces métiers, essayez un peu de faire la part des choses pour ne pas demain cela complique dans votre vie les couples, les foyers. Pour toute jeune fille qui aimerait vraiment nous rejoindre dans ces métiers, je vous encourage. Je vous encourage si vous avez du talent, si vous aimez ce métier, parce qu'on ne devient pas destinataire si vous n'aimez pas ça. C'est un travail qui demande beaucoup de sacrifices, beaucoup de temps. Moi, il m'arrive de passer toute une journée assise en train de dessiner. Donc, si je n'aime pas ça, je ne serai pas là. Donc, vous devrez aimer ce que vous faites, vous devrez aimer ce métier. Venez, il y a de la place pour tout le monde, il y a des opportunités. Il suffit seulement de travailler, ne pas être une fille, vraiment travailler, imposez-vous parce qu'il y a beaucoup d'hommes. Nous, on est vraiment, on est très très peine. Donc, je vous encourage, faites vos études à l'Académie des Beaux-Arts, informez-vous. Vous avez dit que... Au départ, il y a quand même eu deux femmes à l'Académie de Beaux-Arts, mais une fois qu'elles se marient, elles arrêtent. Et puis par la suite, vous avez dit que c'est un métier qui prend beaucoup de temps, donc vous devez l'aimer pour le faire. Vous pouvez prendre toute une journée en train de dessiner, mais vous ne trouvez pas que lorsque vous êtes mariée, vous devez vous occuper de votre mari, si vous avez des enfants, vous devez vous occuper des enfants, faire le ménage, tout qu'on sort. Vous ne voyez pas que... ça ne correspond, donc il n'y aura pas vraiment du temps libre pour exercer ces métiers. C'est pourquoi certaines femmes décident d'abandonner. Ok, je comprends. En tout cas, j'en ai la conscience. Je sais que ce n'est pas facile d'être femme et femme au foyer. Donc même nous, en étant célibataires, ce n'est pas facile parfois le ménage de la maison et le travail. Mais il faudrait s'entraîner. Je crois avant d'entrer dans le mariage, on doit savoir ce qu'on veut pour sa vie. Pour moi, j'aime me marier, je veux me marier. Donc je m'entraîne déjà à gérer mon temps, tout ce que je fais et le ménage de la maison. Donc je remplace ça pour mon foyer. Mais le grand problème se pose au niveau des choix. Vous savez, aujourd'hui, vous pouvez rencontrer quelqu'un, il fait semblant d'aimer votre métier.
Une fois chez lui, il commet le mariage pour votre travail. Là, si vous tombez dans ce piège, là, ça devient compliqué. Donc, nous, en tant que femmes artistes, franchement, on doit savoir choisir nos conjoints, faire un très bon choix. Moi, je me dis toujours, je dois me marier à un homme qui m'aime, moi, et qui aime ce que je fais. Parce que si tu n'aimes pas ce que je fais, tu ne connais pas, en tout cas, ici, tu es à mon comme si... Je veux passer du temps. Et aux femmes aussi, il faudrait faire la part des choses. Donc, c'est pas d'ici, vous êtes artiste, tout votre temps en train de dessiner. Non, il faut savoir faire la part des choses. Il y a un temps pour tout, être très organisé. Donc, un temps pour dessiner, un temps pour le mari, un temps pour les enfants et les restes. Sinon, en tout cas, ça ne va pas marcher. C'est ça, c'est d'ailleurs même la question que j'allais vous poser, si vous pensez aussi à vous marier un jour. Parce que moi, en tout cas, bon, je sais pas, mais je n'ai jamais entendu une femme qui sort de l'Académie de Beaux-Arts qui est mariée et en même temps elle continue d'exercer son travail et tout. Yeah. Moi, en tout cas, je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu et jamais entendu. Peut-être que vous serez la première. Non, non, je ne serai pas la première. Je fais un coucou à Mola et Sandal. Ils sont mes amis et ils sont artistes, ils sont mariés récemment. Voilà, oui, je veux me marier, ça c'est clair. Je veux me marier, mais comme j'aime le mariage et mon travail, je veux faire la part des choses. Donc, mon futur mari, n'a pas à avoir peur, hein. En tout cas, je ferai la part des choses, mon travail et lui. Et les enfants, surtout, je vais devenir une maman dans quelques années, donc il le faut bien. Vraiment, je m'entraîne, hein. je m'entraîne, on rigole, mais c'est un sujet très important, ça complique. Beaucoup de femmes ne s'en sortent pas. Donc moi, j'ai la chance d'observer ceux qui se sont déjà mariés en avance, ceux qui sont devenus, leurs expériences, ça m'aide aussi à revoir certaines choses, à me construire aussi, à travailler certains côtés, pour que je réussisse ma carrière. Alors, Madame Judith, nous allons un peu revenir en arrière. Vous nous avez parlé de votre œuvre dénommée Vrai ou Faux. Vous pouvez un peu nous relater en quelques secondes de quoi il s'agit dans cette œuvre. Ok. Ben, Vrai ou Faux, franchement, c'est une réalité quinoise. Ça parle des filles. Il y a une fille très bien en forme qui débarque dans un quartier. Et les filles qui manquaient de formes minces paniquent, un peu d'habillées, hawaïindi. Et par manque de confiance, ils vont aller chercher la maman du coin là pour leur vendre des produits qui grossissent. Et qui voulaient grossir à tout prix et vite, ont mal pris la dose. Et voilà, ils ont eu beaucoup de conséquences. Il y a une qui est gonflée dans cet côté. Il y a l'autre qui est devenu trop gras et par la suite, ils ont perdu leur famille copain. Et les copains les préféraient telles qu'elles étaient en fait. Vraiment, c'est une réalité purement quinoise, c'est qu'on vit tous les jours. Donc, la question des confiances revient encore, c'est très très important, l'acceptation de soi, tout ça c'est important. Ok, je me rappelle que j'avais vu... C'est des ça sur ton statut. J'avais pas compris de quoi il s'agissait. J'avais pas compris de quoi il s'agissait. En tout cas, là, nous chutons déjà votre mot de la fin. Qu'est-ce que vous demanderez au gouvernement? Qu'est-ce que vous voudrez qu'il fasse pour vous? Surtout vous, le femme artiste. Waouh! Ben, je crois que je vais parler au nom de tout le monde, hein, tous les artistes, parce qu'on a le même problème, surtout les vidéistes, c'est que je demanderai à notre gouvernement qu'il mette en place peut-être des maisons d'édition, qu'il nous facilite dans ces côtés-là, parce que c'est le plus grand problème que nous avons, les vidéistes. Il n'y a pas beaucoup de maisons d'édition. Actuellement, il faut aller en Chine pour imprimer à un prix réduit et puis vendre. Et qu'il y ait aussi des subventions pour les artistes, donc c'est très important. Ça, vraiment, c'est ce que je demanderai à notre gouvernement. Merci beaucoup, Madame Judith. Vous avez entendu. Elle n'a pas parlé seulement en... Alors, vous avez suivi Madame Judith. Elle n'a pas parlé seulement en son nom. Elle a parlé...
au nom de tous les artistes, mais surtout les femmes artistes. Elle a demandé au gouvernement de créer un peu plus de maisons d'édition pour leur faciliter la tâche, parce que c'est pas tout le monde qui a la possibilité de se rendre en Chine pour faire des impressions. Alors, Madame Judith, nous sommes arrivés à la fin de cette émission Art et Culture. Vous pouvez saluer quelques personnes, deux ou trois personnes. Ok, c'est un exercice très difficile. Merci d'abord à vous d'être venus chez nous à Kissé Design. Je crois, je dirais merci à la maison qui nous reçoit. Merci à M. Patrick qui est le cordon de Kissé Design. Salutations à mes parents, à toutes les personnes qui me connaissent. Je ne dois pas citer, sinon ça sera la guerre après. Et vous qui apprendrez à me connaître aujourd'hui. Surtout, grand merci à la chaîne Kati Kapesa TV. Merci de penser à nous artistes, parce qu'il n'y a pas assez d'émissions qui parlent de nous, qui nous mettent en valeur au premier plan. Il y a seulement la musique, mais merci de penser à l'art plastique, au graphisme. Vraiment, je souhaite beaucoup de bonnes choses à l'émission. Vraiment, j'aimerais que, voilà, que je voie toutes les personnes que je connais ici, qu'on parle de nous, continuer à faire notre promotion, continuer vraiment à faire valoir notre culture, nos talents. À l'extérieur du pays surtout, et merci plein de succès. Et ben voilà, merci beaucoup très chers internautes de nous avoir suivis. Merci à Madame Judith de nous avoir accordé quelques temps pour essayer de partager avec lui quelques réalités qui se passent au sein de son métier. Et je remercie l'Éternel qui nous a permis de nous retrouver en ces moments. Je remercie aussi maman Fatika Pessa, donc la maman de tout le monde, la maman de tout le monde, notre maman. Je remercie la grande équipe Fatika Pessa TV. Je remercie mon caméraman Benny Kims. Je remercie ma maman Myriam Chabani. Je remercie mon papa John Betou. Je remercie tout le monde qui me suit. Donc la liste est tellement longue que je ne peux pas citer. Et je vous dis de rester branchés, rester connectés et surtout abonnez-vous et activez la cloche de notification, parce qu'il y a de très bonnes choses qui arrivent. Et je vous dis à la prochaine. Ciao. Madame Kati Kapesa, mère boss. Je dis que t'es valide. Yes. Kati Kapesa TV. Aïe, Kati Kapesa TV. Aïe, Kati Kapesa TV. Aïe, Kati Kapesa TV. Aïe. Petite sœur propre, petite sœur chérie. Y'a madame Eliane Nitu, la patronne. Y'a le service traiteur, la Providence à Paris. Restaurant, service traiteur, chef Kati Kapesa. Et t'as ni mon papa valida, you na new boya. Madame Kati Kapesa, monte maman la mouta yan zambia. Yoka, je dis et ta valida, pour mon koi. Kati Kapesa TV.